20 juillet 1947, c'est l'ultime étape du premier tour d'après-guerre. 251 km entre Caen et Paris. Reconnaissable à son casque à lanière, Robic dit le Biquet n'est alors que troisième au classement général. Avec l'aide de deux coureurs, Tête de Cuir va forger son destin en s'échappant en bas de la côte, puis porter l'estocade dans le dernier virage, celui des fusillés. Le maillot jaune, l'Italien Pierre Brambilla, craque. Et Robic dit qu'il a continué, il était complètement mort sur sa machine, mais qu'il savait que c'était le seul moment où il pouvait gagner. Voici Rouen où six coureurs, emmenés par Tesser, passent en tête avec 13 minutes 30 d'avance. Mais la faute de bon secours va décider de la victoire. Robic et Fachletner lâchent Brambilla. Tesser ayant attendu Robic et Fachletner, le trio mène un train d'enfer. Et à Saint-Germain, les cinq hommes de tête n'ont plus que 5 minutes d'avance sur Robic. Le Belge chasse se détache et gagne l'étape. Cependant, on sait déjà que Robic a ravi le maillot jaune de Brambilla. Oh, I don't know.